Une vidéo promotionnelle des Saguenayens de Chicoutimi fait jaser, suscite beaucoup de réactions, pas toutes positives. Dans la vidéo, on voit en fait un employé faire la promotion de produits dérivés de la boutique de l'équipe. Et les blagues sont souvent douteuses pour beaucoup, Eve, au point que l'organisation a retiré la vidéo parce qu'elle a reçu de nombreuses critiques. Oui, exactement. C'est une vidéo qui a été faite par l'équipe promotionnelle des Saguenayens de Chicoutimi pour vendre des items dans la boutique Souvenir que vous voyez derrière moi. On a voulu utiliser l'humour. Par contre, certains propos ont dérangé. On écoute un extrait. Maintenant, ta blonde, elle a des très belles boules. Toi, tu les trouves parfaites. Mais elle, elle en veut des plus grosses, des nouvelles. Une boule de Noël des Saguenay. Elle est bleue, elle est ronde, elle est lisse, elle est parfaite. Avec une cloche comme ça, crois-moi, les gars vont se faire aller patins. Et regarde, une partisane des remparts qui te montre son museau. Alors, vous le voyez, donc, on le disait aussi, là, la vidéo qui a été retirée parce que ça a choqué certains internautes, mais aussi certains membres de l'organisation qui se sont dit mal à l'aise. La vidéo, il faut le dire, a été approuvée par l'équipe marketing. Par contre, le directeur des opérations ici des Saguenayens nous disait ne pas avoir vu la vidéo avant qu'elle soit publiée. On nous dit que la vidéo n'était exclusivement dédiée à TikTok, qui est un média social où l'humour prend beaucoup d'importance. On écoute. Tout s'est fait dans le bon ordre et c'est sûr que si on garde le contexte que c'est au deuxième, troisième niveau de TikTok, ben non, il n'y a pas de réprimande à avoir. Par contre, nous, en tant qu'organisation, il y a de l'ajustement à faire. Tu sais, nous, on fait plein de bonnes choses, puis on va se concentrer sur les bonnes choses qu'on fait. Au fil des ans, on en a fait énormément, puis on continue d'en faire au quotidien. Donc, c'est ce qu'on va se concentrer à faire et on va éviter des vidéos du genre au niveau de la controverse, ça, c'est certain. Donc, ça fait beaucoup réagir, Michel. On a présenté un extrait, donc, de cette vidéo à certains citoyens. Vous allez voir, les avis sont partagés. Je pense que de prononcer les boules d'une femme, c'est un petit peu exagéré, mais la promotion de la boule du sapin du Saguenay peut quand même être mise, là, je crois. C'est sûr qu'au début, qu'on pense, c'est un petit peu bizarre, là, mais c'est une boule de Noël. Pour moi, c'est pas plus simple que ça. Là. Je trouve que les gens sont sévères maintenant, là, tu sais, par rapport à l'humour puis toutes ces choses-là. Là. Mais non, faut pas voir du mal partout, là. C'est seulement des boules de Noël. Merci beaucoup, Eve.